Hey, salut à tous et à tous, c'est Ekar. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les emplacements pour trouver des pommes pour le tournoi de Free Fortnite. Si vous ne savez pas ce que représente le tournoi et comment obtenir du coup un skin gratuitement et éventuellement des PC gamers grâce à ce tournoi et grâce à Fortnite, eh ben je vous invite directement à aller voir nos deux dernières vidéos. Elles seront en fin de vidéo dans l'outro et également en commentaire épinglé. Sur ce, n'oubliez pas le like et l'abonnement si cette vidéo vous a aidé. Et dans les commentaires, mettez-nous un petit message du genre: hey, je me suis abo car j'ai trouvé la vidéo cool, merci pour l'aide. Ou un truc du genre, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire comme ça, mais vous avez compris la tournure. Et en tout cas, j'afficherai les plus beaux commentaires dans la prochaine vidéo pour vous faire des grosses dédicaces. Et sur ce, commençons avec le premier emplacement de pomme. Let's go! Alors, pour le premier emplacement de pomme, rendez-vous directement ici. Donc rendez-vous en E5, ok, E5 et juste ici, ok. Donc je vais vous montrer, c'est juste là-bas. Bon, alors comme vous pouvez voir les poteaux, c'est juste à côté de l'autorité, ok, juste à côté de l'autorité. Donc je vous remonte la carte encore une fois, c'est bel et bien en E5, ok, en E5 juste à côté de Weeping Wood et à côté de l'autorité. Vous arrivez ici, il y a quelques pommiers. Et comme vous pouvez voir, du coup, vous pouvez ramasser pas mal de pommes qui sont un petit peu quand même isolées. Donc pour le tournoi, c'est un bon spot. Donc comme vous pouvez voir, voilà, on peut ramasser jusqu'à 7 pommes. Alors, le prochain emplacement, je pense que vous vous en doutez, c'est le verger. Et le verger, les poteaux, il se trouve juste ici. Donc juste à côté de Frenzy Farm et à côté, donc entre Craggy Cliff et Steamy Stack. Donc rendez-vous directement en F2, voire F3. Donc c'est juste ici les poteaux, il y a masse de pommes là-bas, on s'y rend tout de suite. Et voilà les poteaux, donc je viens d'atterrir comme vous pouvez voir, donc je suis atterri juste à gauche dans le champ numéro 1 et là il y a le champ numéro 2, d'accord. Donc je vous ramène encore la carte une fois, c'est vraiment F2, ok. Et du coup on va essayer de voir et on va calculer le nombre de pommes qu'on peut avoir. Mais je pense qu'à mon avis, on s'est bien ralasse. Alors déjà on est à 5... Si j'arrive déjà à prendre les pommes, ce sera pas mal. On est déjà à 7 alors que j'ai fait juste un emplacement, c'est fou. Donc voilà, on est à 8, 9, 10. Bon, c'est vraiment fou, hein, le nombre de pommes qu'on peut avoir ici. C'est vraiment le spot, je pense, à viser. Parce que vraiment, il y a trop de pommes. Genre, il y en a à l'infini, je pense. Et là on en est déjà à 15 alors qu'on a fait qu'un seul champ. Donc je pense qu'à mon avis dans le deuxième champ on en aura 15 aussi. Donc techniquement si ma théorie est bonne, on devrait avoir 30 pommes dans le verger. On va voir ça tout de suite. Alors hop, encore des pommes. Vraiment ici c'est le spot à pas louper, hein, je pense, hein, les gars, vraiment. Donc voilà, on est déjà à 21 si je me trompe pas, si je sais encore compter. Je pense qu'à mon avis, c'est bon. Et normalement, je pense qu'on en a 7, hein, à chaque fois qu'on a des arbres. Donc là, normalement, ma théorie devrait être bonne. Oui, on en a vraiment 30. Hein. On en a vraiment 30. Je regarde sur les côtés. Non, il n'y en a pas d'autres. Alors, sachez-le aussi, les poteaux. Mais regardez, donc je suis directement encore dans le verger. Donc là, on se trouve en F3, hein, clairement en F3. Juste ici, voilà, là où est le point bleu. Et donc, on a bel et bien donc 30 pommes au verger. Mais ça ne peut ne pas être fini. Parce que regardez, il y a ces petites caisses-là. Et on a tout un magasin avec plein de caisses, en fait. Et ces caisses-là peuvent renfermer des pommes. Donc comme vous pouvez voir, voilà, regardez, hop, pomme, on en a 2. Donc en vrai, on en a encore masse, on a encore des pommes ici. On en a encore vraiment plein. Vous pouvez voir ici, je ne sais pas si on les casse. Non, si on les casse, ça ne remporte rien du tout. Du coup, est-ce qu'on en a encore d'autres? Oui, on en a encore là. Voilà, on a des champignons. Alors le spawn de pommes n'est pas vraiment à chaque fois, mais ça vous rapporte déjà énormément, hein, les gars. Ça vous rapporte énormément. Donc voilà les potes, donc ici pour ce lieu là, on a actuellement 35 pommes. Donc c'est vraiment hallucinant, si vous avez de la chance aussi avec les caisses, ça peut vous rapporter énormément de pommes pour le tournoi. Et peut-être vous rappeler, donc avoir une petite place pour avoir un des PC gamers, voire du coup avoir le petit skin Apple.
Alors, des petites caisses, comme je vous en ai parlé, il y en a pas mal, et il y en a notamment, du coup, à Frenzy Farm, donc directement en F4. Voilà, en F4, vous allez directement descendre, et vous allez voir dans ce petit bâtiment-là, il y a deux caisses, et vous allez pouvoir obtenir, du coup, des pommes. Alors, du coup, je fais le chemin avec vous, c'est juste ici, vous allez descendre dans ce bâtiment ici, ok? Et directement à la porte à gauche, il y aura deux caisses. Donc voilà, la première caisse est ici. Alors malheureusement, moi j'ai des champignons. Et ici, non, toujours pas. Mais vous pouvez avoir la chance de coup d'obtenir des pommes. Alors des caisses, vous allez en trouver également ici à Retail Row. Donc directement en H6, ok, en H6. Vous allez dans ce bâtiment-là, on va y aller ensemble. Et comme d'habitude, donc là, il y a trois caisses dans ce bâtiment. Vous allez peut-être obtenir des pommes ainsi que divers fruits. Mais ça, encore une fois, c'est le fruit du hasard. MDR. Alors, on arrive directement. Alors, vous pouvez casser cette porte-là ou aller directement à l'entrée, telle que toutes les personnes utiles au ce monde. Alors, du coup, on a la première caisse ici. On a la deuxième caisse ici. Voilà. Et on en a une troisième, mais je ne sais plus où, les gars. Je ne sais plus où. Ah, ici. Voilà, je vous disais bien aussi qu'il y en avait une troisième. Donc voilà, les gars, trois caisses. Donc je vous rappelle encore une fois, il y en a une ici. Il y en a une là-bas, vers le coffre, ok? Et il y en a une juste ici, à la caisse, ok? Et là, les potos, du coup, on va se trouver directement pour la dernière caisse à trouver. Donc, du coup, rendez-vous directement à Salty Springs. Donc, rendez-vous en D4, ok? En D4 dans ce bâtiment-là. Et vous allez voir, du coup, il y a trois caisses aussi à trouver juste là-bas. Donc, on va s'y rendre tous ensemble et on va aller voir un petit peu tout ça. Hop, voilà, du coup je me trouve juste au-dessus de Salty Springs. Donc comme vous pouvez voir, c'est juste à côté de Sweetie. Vous allez directement aussi à côté de l'autorité. Rappelez-vous qu'il y a un endroit aussi juste là-haut pour avoir des pommes. Et du coup c'est dans ce bâtiment-là, voilà, dans ce petit bâtiment-là. Hop, voilà, il y a une première caisse ici, une deuxième caisse ici. Et après vous avez juste à aller dans ce petit bâtiment-là. Et encore une fois, il y a une autre caisse là. Et vraiment, moi j'ai pas de bol en termes de pommes. J'ai vraiment pas de bol. Donc sur ce, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et encore, n'oubliez pas le petit commentaire dans l'espace. Bah, commentaire, derrière. Et vous allez du coup avoir la chance d'être dans la prochaine vidéo. J'afficherai les plus beaux commentaires. Et du coup, sur ce, c'était Icar. J'espère vraiment que la vidéo vous a aidé. Et du coup, sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien, et puis c'est tout. Et sur ce, on va danser!